Savelli, eh bien, Fédération Régionale PACA. Moi, je prends la parole très brièvement, même si je suis une grande bavarde et sur la glu aussi, parce que je veux absolument remercier tous les gens qui nous ont aidés ici à organiser cette manifestation. Vous savez qu'on s'y est pris il y a 15 jours. Il a fallu que les gens soient réactifs et je tiens absolument donc à remercier parmi les autorités, donc le préfet, le sous-préfet, le colonel de la gendarmerie qui nous ont protégés dans cette manifestation, le maire de Prades, bien sûr, et tous ses services, en particulier le concierge, qui est un homme extraordinaire. Ensuite, je remercie, bien sûr, les présidents, enfin, monsieur le président des gardes particuliers du Var et les quatre autres gardes particuliers qui se sont joints à nous. Ils ont été discrets mais efficaces. De même que la société de surveillance qui était là, parce que je ne sais pas si vous le savez, mais on nous avait fait courir des bruits en tout genre, il y aura des gros tracteurs, ça s'annonçait un peu terrible par moment. Et puis finalement, comme vient de le dire Eric et comme vient de le dire le président Sanson, on s'en est plutôt bien sorti de ce côté-là, mais j'y reviendrai. Je voudrais surtout remercier, je l'ai vu, il était par là, mon collègue directeur des Pyrénées-Orientales, Gilles Thibier. Merci beaucoup Gilles. Sans lui, il n'y aurait pas eu de casse-croûte, il n'y aurait pas eu d'eau. Gilles, il est là, vous pouvez l'applaudir. Voilà. Merci président, bien sûr, Sanson, pour nous avoir accueillis. Je remercie aussi toutes les petites mains qui ont œuvré là, que ce soit le monsieur de la Sono, les gens du Var. Alors là, dites merci aux gens du Var, parce que c'est eux qui se sont occupés du casse-croûte et de le servir. Ce matin, ils étaient venus pour manifester, ils se sont retrouvés à couper du pain. Donc voilà. Je remercie, je vois là, donc tous les présidents des autres fédérations que je n'ai pas citées, excusez-moi, je n'ai pas tout noté. Je remercie aussi les élus que je vois là, de leur présence, de leur soutien. C'est vraiment très appréciable pour nous. Et ceux que je veux remercier vraiment le plus chaleureusement et le plus sincèrement, eh bien, c'est vous tous. Bravo, merci. L'objectif aujourd'hui, c'était de donner une bonne image de la chasse, c'est de nous montrer tel qu'on est. Et franchement, vous avez réussi. Donc, félicitations et merci beaucoup.